Les gens qui ne rêvent pas ne prennent même pas de risques. Ils ne savent pas ce que c'est. Quand on est en train de parler entre nous rêveurs et entre nous personnes qui se projettons, ils ne peuvent pas comprendre ce langage. Ce qui me plaît, elle assume ses surnoms maintenant. Quand on dit que c'est une rêveuse, elle assume. Et maintenant que tu n'es pas une rêveuse qui risque, tu es une plaisantine des rêveuses. Toi, tu dors. D'accord? Quand on parle de rêveuse, toi, tu dors. Tu n'es pas une rêveuse. Tu dors dessus. Ça y est, ça y est. Tu es la photocopie, tu es la ténèbre et nous on est la lumière. Voilà. C'est le diable, il a la photocopie de Dieu. Ça y est, tu essaies de photocopier les rêveurs. Ça y est, pendant que les rêveurs sont dans la réalité, toi tu essaies de photocopier la réalité. Est-ce que tu comprends un peu bien? Ça y est, tu photocopies le rêve. Sinon tu n'es pas une rêveuse. D'accord? Merci de reconnaître que tu es une rêveuse, mais tu ne risques rien. Qu'est-ce que tu as risqué? Rien. On va entendre ce qu'elle a risqué. Tu as resté quoi? Écoutons. Ça fait exactement plus de 3 mois que je suis en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Ma base est la France. Où j'ai trouvé. Oh, ta base est la France. Tu vas plus t'installer en Côte d'Ivoire. Ça y est, tu ne sais même pas où tu vas vivre en fait en réalité. Oui, oui. Oh, tu veux dire que ta base est en France. Depuis quand ta base est en France? Tu n'es pas venu dire ici que toi tu vas t'installer en Côte d'Ivoire que oui. Tu n'as pas venu t'installer. Tu veux t'installer en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas venu t'installer en Côte d'Ivoire. Depuis quand la France est ta base? Depuis que tu t'appelles Bleda, tu veux fuir maintenant? Tu ne sais même pas, ça y est, regarde, tu ne sais même pas où vivre. Tu ne sais même pas où vivre. Mm-mm. Tu ne sais même pas où te situer. Est-ce que je vis en Côte d'Ivoire? Est-ce que je vis en France? Ta vie est comme ça. Ça y est, tu ne sais pas. Tantôt, oui, je suis installée en Côte d'Ivoire. Tantôt, oui, je suis ma base en France. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas où me mets-je. Tu ne sais pas où me mets-je. Tu ne sais pas. Quand ça chauffe sur toi, on est au 20. L'hiver commence. On est le 20 de mai. On est en automne. La période hivernale commence. Tu vas rentrer. Parce que tu dois de l'argent de loyer ici en France. Donc là, tu vas rentrer bientôt. Là. Tu vas rentrer en hiver. Ça commence là. Parce que automne déjà, le froid commence. Oui, oui, le froid commence déjà en hiver. Donc tu vas rentrer là. Une fille qui ne sait pas où elle est, c'est elle qui parle des rêves. Quand même tes rêves sont perturbés. Dans tes rêves là. Tantôt je suis en France, tantôt je vais encore. Tes rêves sont perturbés. Oui, oui, oui. Tes rêves sont perturbés. Donc de quel rêve parle, de quel risque de rêve que tu prends? Tes rêves sont perturbés. Tes amis, quand un rêve là, c'est précis puis c'est net. Mais toi, quand tu rêves, c'est perturbé. Tantôt tu vis en France, ta base en France, tantôt tu veux t'installer en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas où tu es, ma chérie. On écoute. Crois merveilleux enfant. Oser prendre des risques, c'est me dire que je vais venir pendant des mois, me couper pendant un moment d'eux, travailler dur et rentrer le 4e mois. C'est un risque que je prends. Elle écoute, hein. Non, je suis venue pour travailler. Elle n'est plus venue s'installer. Hein. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Elle n'est plus venue s'installer en Côte d'Ivoire. Elle a dit que, oui, elle va en Côte d'Ivoire pour s'installer à sa famille. Oh, je vais prendre une grande maison. Quand je prends la grande maison, mes enfants vont venir. Depuis, on a fait grande maison, ça ne fait pas depuis. Non, je vais louer une grande maison et puis mes enfants seront là. Dans grande maison, on voit qu'elle est dans résidence saisonnière. Elle est venue dire qu'elle est venue en résidence saisonnière de 1 an. Là, là, elle dit qu'elle a fait 4 mois. Mais on va compter. 28 avril. 28 mai, ça fait 1 mois. 28 juin, 2 mois. 28 juillet, 3 mois. Mai, juin, j'ai 3 mois. 28 août, 4 mois. 28, bientôt, c'est-à-dire dans une semaine. 28 septembre, ça fera 5 mois que tu es en Côte d'Ivoire. Donc 4 mois que tu as dit, ça a déjà dépassé 4 mois. Tu as déjà dépassé 4 mois. Ça fait 5 mois que tu es en Côte d'Ivoire. Tu comprends? 5 longs mois loin de tes enfants. À la longue, tu t'es venu, normalement, tu t'es venu pour t'installer en Côte d'Ivoire avec tes enfants. Mais là, tu viens nous dire que tu es venu pour travailler, et travailler, travailler, et puis pour tes enfants, tu as fait 4 mois pour retourner. Mais on a 5 mois. Tes rêves sont perturbés. Tes rêves ne sont pas risqués, mais ils sont perturbés. Tu ne risques rien. Tu ne risques rien. Où me mets-je, tu ne sais pas. On écoute. C'est un risque organisé et structuré. Quand je me lève et que je veux créer une marque de vêtements alors que je ne suis pas du tout styliste, je ne sais même pas dessiner en fait, je sais juste apprécier de beaux vêtements. C'est prendre des risques. Je sors de ma zone de confort. Donc je... Quand tu te lèves un matin, puis tu me dis, oh, je suis Olivier Rusting de le Koulkoulbali. Ce n'est pas des risques, c'est des mensonges et de la pafloterie.
Je suis la directrice artistique. Sans diplôme de collection. C'est pas flottage, c'est pas risque. Ne confonds pas tes bêtises avec les risques. Ou tu t'assois, tu mens en longueur de journée. Pour toi, mentir sur des fonctions que tu n'as jamais occupées, c'est un risque. Non, c'est pas un risque, c'est du pas flottage. C'est du pas flottage. Que je te dise, où m'émerge, je ne sais pas où tu vas m'émerge. D'accord? C'est du pas flottage. Tu comprends? C'est pas un risque. Tu ne risques rien. Tu pas flottes en longueur de journée. Tu rêves dans le pas flottage. Voilà ce que tu es en réalité. Et je risque, je rêve, je risque. Non, tu rêves et tu pas flottes. Tu ne risques rien. Tes amis rêvent et réalisent leurs rêves. Toi, tu rêves et tu pas flottes. Mège-moi là où tu peux me mèger. D'accord? Mège-moi là-bas. Parce que moi-même, je ne sais pas où te mèges aussi. Parce que où te mèges, je ne sais pas. Donc, mège-moi là où tu peux me mèger. D'accord? Hein? Tu risques quoi? De installation en Côte d'Ivoire, de venir travailler pour faire entreprise, pour retourner en Europe basée. Ma base en France. Non, tu es une mytho. Tu es une grosse mytho, une mythomane. Tu es malade. Il faut te faire soigner, ma chérie. On l'écoute. On est risque. Et je sors de ces zones de confort, tant dans le talent, je suis pas styliste, et tant sur le continent. Parce que, il faut dire que je redécouvre la Côte d'Ivoire. Donc, je suis venue m'installer pendant 3 mois. Il fallait que je sois sur pied, il fallait que je reste là, que je ne bouge pas pour me refaire un carnet d'adresse, pour tout recommencer à zéro. Mais c'est promis. Tu recommences toi, tu as perdu quoi? Toi, la puissance mondiale, toi qui as l'argent, qui as tout l'ordre du monde, tu recommences quoi? Tu reprends quoi? Ça y est, non, je veux rêver là pour tout reprendre à zéro. Oui, tu étais qui d'abord en Côte d'Ivoire d'abord de S? Tu connaissais qui? Qui te connaissait? Nobody, personne. Tu n'étais une connue. Hein? C'est pas un mari qu'on t'a connu, le mari de Koulibaly, du footballeur Koulibaly qu'on t'a connu. Tu n'étais personne, ma chérie. Tu es battu en France, tu as fait quoi en France ici? Hein? Tu battais pas en Côte d'Ivoire? Tu battais pas en Côte d'Ivoire? Hein? Hein? Il faut que je reprends tout à zéro, le carnet d'adresse. Tu rêves comme tes camarades. Tu veux avoir les adresses comme beaucoup tes camarades. De risques, tu veux faire comme tes camarades, avoir des relations. Mais tes relations sont toxiques. Tu es une personne toxique. Quand on s'approche de toi, après on te fuit. C'est pas carnet d'adresse que tu vas avoir. Tu vas aller tout gâter, détruire là-bas. Parce que c'est ce que tu sais faire. Tu comprends un peu? Tu es une mytho. Tu es une menteuse. Tu avais construit quoi? Tu avais quoi avant pour répondre à zéro? Ceux qui répondent à zéro, ce sont des gens qui ont construit, qui ont eu quelque chose et puis qui répondent tout à zéro. Toi, tu lui dis que tu as 5 minutes. Toi, tu dis que tu as fait des constructions. Tu dis que tu es bien en Europe. Si tu es dédié artistique, tu vas reconstruire quoi encore? Hein? Adama, tu n'as rien, tu n'es rien. Faut dire que j'ai échoué en Europe. J'ai échoué en Europe. Je reviens à soi dans mon pays. C'est tout, voilà les mots qui sont là. Tu construis quoi? Tu reprends quoi à zéro? Hein? Un échec comme toi. Vous venez en France, vous avez 15 ans, 20 ans en Europe, vous n'avez rien construit ici. On est là, les fesses, comme si là, pour sortir un être humain demain, vous n'avez rien, aucun diplôme. Comment tu peux faire 15 ans dans un pays sans diplôme, sans rien? Tu veux t'asseoir pour mettre les loulous, mes copes, aller voler à Sephora? Va ton site ici, voler à Carrefour, voler à Sephora? Et puis t'asseoir pour dire, où me neige, où te neige? Hein? Comme oui, reprendre à zéro, reprendre à zéro. Chienne que tu sois. Échec est ton nom. Idiote que tu sois. Sale pute que tu sois. Venez me prendre maintenant. Venez me prendre pour voir. Ceux qui veulent défendre, venez me l'envoyer. Bon, mais comme matin, midi et soir. Vous pouvez faire quelque chose comme moi. Je la presse quand je veux et je la lume comme je veux. Aucun blogueur ne peut. Un blogueur qui rentre au milieu, tous ses secrets seront dehors. Demandez à Jessie Dieu, va vous parler un peu. Ils sont oubliés actuellement. Jessie Dieu, ils sont oubliés actuellement. Et puis on continue. Ça ne choque pas. J'ai repris avec elle. Tout ce toi là. J'ai laissé les gens rire et on reprend maintenant avec elle. C'est ça qu'il s'agit. Le beurre de Chilo et puis Jessie, c'est passé. Parce que Lucie continue son chemin. On a passé les dégâts. Mais énormément. Mais... On a passé les dégâts de Lucie. Voilà. C'est les œuvres du livre, Lucie. Tu n'as pas encore ton livre, Lucie. Il faut commencer à porter ton livre, Lucie. Parce que quand ça a commencé, ça sera gâté, Tanina. Ça sera poche. Ça va. Prenez votre livre, Lucie. Parce que c'est Lucie qui gouverne actuellement. Tu comprends un peu? C'est là. C'est là. C'est mon chant. Même le vieux père, non, je vais se lever. Va dire, ma fille, parle-moi. Hein. C'est que tu es trop tonton. Alors, faut laisser la fille. Il dit, parle-moi, le vieux. Retourne dans ta tombe là-bas. Papa appelé dans le monde des vivants. Mais, et puis, continue avec elle. D'accord? Et continue avec elle, au calme.
J'ai fait 1 an et demi à casser les papos. J'ai eu ça. Et là encore, je m'en vais encore. Elle a compté 2 ans, non? Elle a compté 2 ans. J'ai dit, il m'a avec elle. Et là, j'ai mangé à son nom. J'ai gagné l'argent à son nom. Oui, oui. J'ai pris l'argent pour payer les petits belles, pour payer les chaussures Gucci de mon enfant. Il va se saper. Oui, oui. Chacun du moins, hein, quand Facebook va m'envoyer l'argent, il a payé Gucci pour mon enfant. Il va se saper dedans comme ça. Ouais, il a dit, hé, hey, qu'elle a dit maman, il a dit petit, laisse ça. Quand il parlait, quand il fait mes clashs, il a payé Gucci pour toi. C'est ça qu'il s'agit. Donc, vos mères cons, personne ne peut prendre ma caméra. Personne ne peut venir prendre ma caméra. Hein? Il a pris la demande pour. Ouais, celui-là, il réfléchit beaucoup. Hein. Il faut que je m'installe bien en notre savoir. Il faut que je continue mon chemin. Il faut que je paye ma maison. Donc là, mon là, le travail là. Il a pris ça pour construire ma maison, pour m'installer bien. Et puis, elle est son nom. Il a pris ça pour payer Gucci, Louis Vuitton pour donner à mon enfant. Sachant pas. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a mis initial K-E. K-E, c'est quoi? Non, C-E. Il a dit, mettez C-E. Ça, ceux qui peuvent le comprendre. Ils vont dire. Ma chérie, lui, vous êtes ma chérie. On met quoi initial sur le truc. Il y a des messages, c'est un CPE. CPE, c'est quoi? Cassement de papa de Mané Keïta. C'est sur la Gucci de. Sur la Louis Vuitton de mon enfant. Hein. Je suis Louis Vuitton de mon enfant là. Ils vont mettre CPE dessus. Initial, ma chérie, on met quel initial? CPE. Cassement de papa de Mané Keïta. Quand mon fils marche là, ils vont dire CPE. Cassement de papa de Mané Keïta. En décembre, il faut que j'achète une Gucci, une basket Gucci à mon enfant, une basket Louis Vuitton à mon enfant. Abidjan, quand on va dire Noël là, parmi les enfants, ça c'est pas pour Louis Vuitton. CPE, la Louis Vuitton CPE. On lui demande, non, c'est pas CPK, il y a dit CPE, cassement de papa d'Emmanuel. Voilà. Et un CPE, non, CPE est bon. Cassement de papa d'Emmanuel, puis quand il a marché là, ça a dit quoi. En tout cas, vous voyez une chaussure à Abidjan, hein. Et puis c'est écrit CPE là, c'est lui. Cassement de papa de Mané Keïta. Sachant pas. Elle est un blogueur qui va venir parler ici. Il va venir ici bien. Mais con de tout le monde qui va parler. Ok, c'est ça. D'accord? Donc, toi là, tu as échoué en Europe. Tu as une femme qui a échoué en Europe et tu repars en Côte d'Ivoire chercher une lina place pour t'installer. À cause de la Lyonne, tu veux revenir en France. À cause de la Lyonne, le fait que la Lyonne t'a dit que tu es une blédable là, tu veux te retenir en France, en Côte d'Ivoire. Oui, tu veux te retenir en France. Non, si je vais en Côte d'Ivoire, eh bien, s'il va se moquer de moi, elle est là, se moque de moi tout le temps. Je te panique, je te trouve dans tes rêves. Ton rêve est perturbé par moi. Tu parles de quoi? Hein? On va continuer à l'écouter. En fait, c'est seul des gens qui rêvent. Écoutez, hein? C'est que des gens qui rêvent. Donc, osez prendre des risques dans tous les domaines d'activité de vos vies. Loza. Voilà. Donc tu comprends? Attendez. Oh là là. Vous comprenez? Elle est là, elle rêve seulement. Elle sait pas où. Demain, elle a dit que non, je m'installe en Côte d'Ivoire. C'est bon, ouais. Je m'installe en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle sait pas où se mettre. Actuellement, elle se cherche. Elle se cherche. Elle sait pas comment faire. Elle sait pas comment faire. Tu as une maison en Europe ici. Tu as une maison ici. En juillet 2022, je suis allée en vacances en Côte d'Azur. Là même bientôt, quand je vais finir de m'installer bien, quand je vais finir de m'installer bien, et puis je vais aller en vacances un peu pour m'amuser. Là, je cherche un pays où je vais aller. Ben, là, si j'ai envie d'aller au pays de Long Sam, c'est 6 000 euros qu'il me faut en fait. Non, 4 000 euros, je fais le. Oui, 4 000 euros, je m'en vais au pays de Long Sam. Je vais voir, il faut que je parte. Peut-être que j'allais à Miami, je ne sais pas où, mais on verra. Mais je dois aller en vacances un peu. Voilà, aller bien profiter de ma life tranquille, quoi. Oui, avec mon jeton. Voilà, là, ça, j'attends. Quand je vais finir de faire tout avant la fin de l'année, je m'installe bien. Et puis, bon, on va commencer les vacances. Je suis allée en vacances en Côte d'Azur. Quand elle a dit en même temps, là, elle me fait poster sur Facebook. Oh, le père de mon enfant a payé maison en Côte d'Azur pour mon enfant. Il a payé maison, puis toi, tu dors où? Tu es sous le casque ici en France, ici. Une fille qui était sans domicile en France, ici. Une fille qui était ici en Europe, ici, sans rien construit. Elle retourne en Côte d'Ivoire comme oui, je me refais tout à zéro. Tu n'as rien, tu as que dans les manettes qui t'as. Tu es un échec. Ta vie est un échec. Tu n'es personne, tu n'es rien. D'accord? Tu es une mendiante, une voleuse de chez Sephora. Pour mettre dessus. Ta mère est voleuse. Oui, oui. Parce que ta mère, Micheline, elle vole le terrain des gens. Elle brigande, elle brigande maison des gens à Abidjan là-bas. Elle a brigandé maison des gens à Abidjan. Tu es voleuse comme ta mère. Oui, oui. Telle mère, telle fille, tu es une voleuse comme ta mère. Je dis ça, oh, hein, ça chauffe pas. Tu es voleuse comme ta mère, Micheline Keïta.
Ta mère a volé boîte de nuit des gens. Elle, non, c'est maison des gens. Elle a escroqué Abidjan là-bas. Et tu as la même chose. Une femme comme toi, tu viens t'asseoir pour nous montrer tes trucs de AliExpress. Et quand tu finis ton voler à Carrefour pour habiller tes enfants, une volée de Carrefour, les vêtements de Carrefour qui coûtent 10 euros. Hein? Les vêtements de Carrefour qui coûtent 10 euros, 5 euros. Tu n'as même pas honte de voler les vêtements de Carrefour pour porter tes enfants. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Et non, 1 an et demi aujourd'hui. Quand je t'ai accéléré sur tes enfants, c'est là que tu es parti à petit bateau. Depuis que tu es parti à petit bateau, acheter 2-3 vêtements pour tes enfants, à cause de la honte, tu as payé encore un peu pour eux. Hein? Mon enfant dans l'année, il a 2 valises dans l'année qui vont sur Abidjan. Aujourd'hui, ses habits sont arrivés à Abidjan. Sa valise que j'ai fait, son colis que j'ai depuis août là, c'est le 15 que la fille est partie à Abidjan et ça. Et en décembre encore, il va avoir encore pour lui encore. Ça chauffe pas. Hein? Tu t'en volais comme ça pour habiller les enfants là. Ils vont marcher à l'habit de vol sur eux. Tu mets déjà esprit de vol sur eux. Une sapin comme toi, une chienne comme toi, une rienne comme toi. Hein? Une idiote comme toi. Une saleté menteuse comme toi. Où ça peut se mentir en longueur de journée? Une baiser des enfants des gens dans pirogue. La fille s'est appelée Rémi Adin. Hein? Elle a devenu. Il est rentré où même maintenant? Rémi Adin est passé disparu. Tu as porté la poisse à Rémi Adin. On va en venir dessus. Lucie arrive. Tu as porté la poisse à Rémi Adin. Tu as frappé l'enfant là comme ça. De la même. Elle a. Comme... Mais je ne sais pas pourquoi vous, les filles de Paris, là, mais vous êtes comme ça. Un Bangala dit ne veut plus de vous. Pourquoi vous. On peut frapper un bébé à cause de Bangala. Baise-moi, non, je vais pas te baiser. Ça, c'est pour ça que tu t'en le frapper. Hein? Elle avait frappé Rémi Adin. Hein? Elle avait frappé Rémi Adin. Le bleuté ici en Europe, ici. L'enfant dit, il te baisse plus, tu es une mytho. L'enfant dit, il veut plus de toi. Ton corps est fané, tu es ébrayé. Tu te baisses dans la lumière. Ton corps est fade, il veut plus. Tu le frappes, mais dessus. Tu as apporté toute la poisse à cet enfant en question. Il est où aujourd'hui? Où il est? Il est porté disparu de la nature. Reviens ici. Reviens te laver ici. Reviens, j'ai l'eau de l'autre pour toi. Une poisseuse comme toi. Tu baises un homme. Il dit, mon petit père, j'ai l'air de la carrière. Quand on ouvre son compte pour baiser un homme, on assume cela. Quand on ouvre son compte pour baiser un homme, on assume cela. Tu allais baiser l'enfant dans la pirogue. Tu l'envoies partout pour le baiser. Une basseuse comme toi. Tu fais les médicaments pour attirer les garçons. Une chienne comme toi. Une saligonne comme toi. Une traînée comme toi. Les voix arrivent. Les voix arrivent. On arrive à 1000 personnes, je joue les voix de Rémi Adin et elle. Une chienne comme cela. Tu prends la voix, tu le dévièges dans les endroits pathétiques. Hein? Hein? Tu le dévièges partout. Tu n'as pas honte? L'enfant t'a. Il t'a renié. L'enfant, tu l'as dégoûté. Tu as dégoûté à Rémi Adin. Fait même les enfants, où tu peux faire Kougaïa. Oui, où tu parles de Kougaïa, il te renie là-bas. Tu n'es pas digne. Tu n'es rien. Tu es une saligo. Tu es une traînée. Tu es une poubelle à Slam Emmanuel Keïta. Je te le dis, Roha. Sors. Je t'ai dit que. Tu ne vas pas me répondre. Je t'ai dit ça, non? Elle ne me répond pas. C'est la lionne. Là, je suis calme. Hein? Quand elle est retournée en Haute-Savoie, il a couru à ton con. Il a tracé dans ton clitoris comme ça. Il fait Jean Bécard. Et puis elle trace dedans comme ça. Attention. Attention. Chienne que tu sois. Rade de goût. Tu n'es rien, non? Je suis ta patronne. Ta dangoro. Aucun blogueur ne peut. Quand il te prend, il te crasse comme je veux. Puis ça ne chauffe pas. Un blogueur qui m'attaque, ça vient mélanger là-bas. Et puis il reprend avec toi. Une connasse comme toi. Une bécacon comme toi. Une chienne comme toi, une fille que sa mère élevée au carrefour comme toi, une femme abandonnée qui n'a pas eu d'amour, un stupide girl, des vieilles des enfants que tu sois. Tu vas parler à qui? À Sylvia Lagionne. Tu me peux? Tu prends un enfant qui est dans la carrière. Coco Rémi, oui, je t'ai envoyé un voyage à Dubaï. Coco Rémi, vous aussi là, c'est ça aussi qui est là. Quand garçon est gigolo, il souffre. Toi Rémi, tu es dans ta carrière, tu es artiste. Hein? C'est à Dubaï, tu peux aller. C'est à Dubaï, tu peux aller. Dès qu'on t'a offert voyage sur Dubaï, là, elle est là, elle s'en emprunte les habits de gens. Elle s'en rend dans la boutique. Elle prend l'habit et puis elle ramène 2 jours après. Quand elle porte, elle fait photo là, elle fuit jusqu'à elle sait son ventre. Quand elle fait comme cela, ça t'a pris la même temps, tu n'as rien compris encore. Hein? C'est voyage pour aller à Dubaï que tu n'as pas. Hein? Pour un mina voyage, mais il fallait me voir, je l'ai payé comme voyage sur Dubaï. Moi, je l'ai moins de te payer un voyage sur Dubaï. Hein? En ce moment, les gars dans ma show,
Elle a quand même des dents derrière elle. Elle a pris l'un des gaines, au lieu de nourrir l'enfant, elle a pris pour aller, aller nourrir Rémi Adam. Et puis elle s'est envolée à Sephora, elle s'est envolée à Carrefour pour nourrir l'enfant, payer oignon, tomate et puis lait avec pilon de poulet. Hein? Ici en Europe, là, la nourriture qui est luxueuse ici en Europe, c'est la nourriture ivoirienne et africaine ici. Oui, oui, oui. Ici en Europe, manger africain, c'est du luxe. Oui. Des enfants qui passent leur temps à manger des McDo, et Deliveroo, pizza, c'est pas une nourriture ici. C'est la malbouffe. Et voilà ce qu'elle donne à ses enfants. Voilà ce qu'elle donne aux enfants question. Et puis elle va nourrir Rémi Adam. Elle va envoyer là. Quand on lui paye un petit cachet, un mina cachet, au dépôt pour investir, elle va nourrir les garçons avec ça. Et puis elle reste à ça pour donner pilon de poulet. Pilon de poulet, c'est la nourriture. Pilon de poulet, c'est la nourriture. Hein? Tu prends Rémi pour aller dans les grands restaurants. Aller dans les restaurants chers. Et puis tu viens, tu fais ça à biscuit. Et puis tu donnes pilon de poulet. Tu commandes un KFC en 14 plats de maïs. Attends, comment il dit un peu. Les 14 plats de KFC, c'est pour combien de jours? 14 plats pour KFC. Les gens m'ont KFC aujourd'hui. Demain, ils m'ont KFC. Après, demain, ils m'ont KFC. 14 plats de KFC. C'est la vie d'une mère, ça. 14 plats de KFC, les amis. Comment on peut commander 14 plats de KFC en une journée? Elle a mis au frigo, hein. Et puis chaque jour, elle a mis un plat, un petit morceau. Et les enfants tenaient. Et puis ils ont moins. Et vous voyez, ils sont maigres. Ces enfants sont maigres. On a des Éthiopiens qui sont en guerre. Quand vous voyez les Éthiopiens, les Soudanais en guerre, quand, où il y a la famine, c'est quand les enfants sont en réalité. Elle vient même fils et puis elle les présente. Ils sont maigres en réalité. Ils sont, quand vous savez qu'ils sont mal nourris, au fait. Ici en Europe, ici, la bonne la nourriture, c'est la nourriture africaine. Nous qui mangeons africain. Du 1er au 31, on est les boss ici, ça chauffe pas. Oui, oui, oui. Ça coûte cher ici, hein. C'est pas du jeu, hein. Ne pensez pas qu'appliquer comme on va appliquer 100 euros au pays. C'est des snails. Appliquer ici, là, une boule, on te dit 4 euros. 4 euros, là. Ça va dans les 2000 et quelques euros là-bas. 2000 francs, 2000 et quelques francs. Vous comprenez un peu. Tu vas faire une petite sauce africaine, là. C'est au moins 50 euros pour un jour seulement. Hein? Parler de quoi? Une chienne comme ça qui est malheureuse. Et elle va faire ça. Elle est voilà maintenant dans ses années à Abidjan. Tes amis, quand Aïcha demandait, actuellement, j'aurais appris que Aïcha demandait, puis moi, on a la frontière là-bas. Voilà, Aïcha demandait qu'il va. Ça y est, moi, je suis un des hommes à suivre. Quand je dis que je vais quelque part, elle me suit là-bas. Voilà, Aïcha demandait. Elle allait travailler à la frontière. Elle vit à la frontière, puis elle travaille en Suisse. Oui, pour se faire de l'argent. Voilà. Aïcha a demandé quand elle partait à Abidjan. Elle a payé tous ses meubles ici. Avant qu'elle arrive à Abidjan, elle a mis tous les meubles dans la maison. Payer maison et combien à Abidjan? Puis toi, tu t'en fais résidence pour t'asseoir dedans comme vie saisonnière. Ça là, elle a pris blanc. J'ai fait ta pub, ma chérie. J'ai fait ta pub. Hein. J'ai payé un peu et puis je fais ta pub. Bon plaisir est venu me dire ici que Sylvia, la résidence qu'elle a payée, je voulais lui donner une résidence qui nous ressemble. Mais c'était tellement cher qu'elle a refusé. Elle allait prendre une résidence de 2 mois minable. Et c'est là-bas qu'elle était, elle a quitté là-bas. Elle a quitté là-bas. Là où elle a passé, elle allait dire à la fille, j'ai fait ta pub. On attend la. Regardez, on en parle là. C'est pour ça qu'elle n'est pas pub pour le temps. Elle va faire pub de maintenant bientôt. Elle va faire pub de la petite fille bientôt. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a raison. Même pour dormir avec, tu dors là-bas cadeau. Non, je tiens un peu. Et puis bon, le reste là, il ne faut pas me payer. Hein. Faut mettre ça dans. On va comme si c'était déjà. Je fais ta pub pendant un an. Hein? Pendant un an, elle ne peut pas me donner la petite fille là. Elle avait peut-être 300 000 francs. Et non, je te prends tel nombre. Tu me copes, c'est moi, Emmanuel Keita. Tu me laisses. Ma chérie, zéro client tu vas avoir. Tu vas même pas avoir client. Et puis tu vas rien avoir. Elle va dormir dans ta maison cadeau. Et puis elle va mettre odeur de pipi dans sa maison. Elle a deux enfants qui sont des pisseurs. Je te préviens. Tu vas pas revoir ta maison. Elle est sale en tant que femme. En tout cas. Quand ça va arriver là, faut pas avoir peur, ma chérie. Le jour que elle va gratter ta maison, faut pas avoir peur. Hein. On va rien te faire. Envoie-moi les papos. Je vais te la traiter comme il se doit. Pour l'instant, il faut rien à elle. Mais quand elle va gâter, et puis tes yeux seront rouges là. Soulève tes yeux. Et puis tu dis, Seigneur, à qui me confier? Le Seigneur te répond, ma fille, confie-toi Sylvia. Mon inbox est ouvert. Mais mes téléphones sont sur ma page. Tout est ouvert. Je suis recevable. Tu m'envoies tout. Ton nom, ça ne l'a pas cité. Elle a porté plainte à 3 personnes à Abidjan. J'ai été témoin.
Et puis sa peine n'est pas là quelque part. Elle dit qu'elle va les emprisonner. Il y a deux fois les emprisonner. Elle peut m'amuser. Elle a envoyé les filles à la PJ. Ils m'ont appelé. On est témoin oculaire depuis la France. Elle a commencé à pleurer là-bas. On dit les filles, rentrez à la maison. Le commissaire l'a pris. Et puis il a commencé à la farfiasser comme ça. Le commissaire me dit, il me dit, c'est bien. Il dit oui, il dit, tu m'as trop baron, pardon, faut laisser la fille. Il dit, mon papa, il ne peut pas la laisser. Elle me doit. Elle m'a insulté, je vais l'insulter. Il dit, pardon, tu m'as trop baron. Et puis, vous voyez, on dit, moi, il m'a baron. Voilà pourquoi la assise. Elle peut rien créer à Abidjan. Donc si tu as, si elle garde ta maison là, tu as le droit de parler, tu as le droit de conjuguer. Elle va mettre odeur de pipi dans ta maison. Elle va gâter ta maison. Elle est sale en tant que femme. Ça, je te dis en même temps. Elle pue. Elle pue. La maison pue. Tu as compris? Donc quand tu vois que ta maison est bizarre, elle va gâter les lumières, tout ça là. Tu me fais signe. Je m'envoie le dossier. Je suis la seule qui peut traiter le dossier sans état d'âme. Si tu as donné un blogueur, ils vont jouer à ça comme ça. Son dossier là, tout ce qui concerne Emmanuel Keïta, je suis la meilleure qui le traite. C'est le seul dossier que je maîtrise en intégrité et purement sur Internet. C'est pour ça que je suis là. Il y a des juges. Il y a des juges. Quand tu vas en justice là, tout le monde est juge là-bas. Tu vois? Tu vois non? Tout le monde est juge à la justice. Hein? Mais chaque juge a son milieu. Chaque juge traite dossier. Tu vois un peu? C'est ça que mon cas. Sur Facebook ici là, on est tous blogueurs. On est tous blogueurs, hein? Oui, oui. Mais, moi, mon blog, c'est Emmanuel Keïta. Mon blog, là, c'est Emmanuel Keïta. De la manière qu'il y a le juge de la famille et des enfants, un juge qui est le juge de la famille et des enfants ne peut pas aller juger une histoire pénale. Non, c'est impossible. C'est comme ça. Il y a les blogueurs, des managers confirmés et puis des congélateurs. Moi, je suis juge d'Emmanuel Keïta. Il faut m'envoyer dans le tribunal de la justice des blogueurs. Seul Sylvia peut traiter ce dossier, Emmanuel Keïta. Et je l'assume. Oh, ah. Voilà. C'est un dossier. Hein. Je n'ai pas peur de le traiter. Et il n'y aura aucun juge blogueur qui peut parler sur moi. Donc, elle a gâté ta maison là. Il faut m'envoyer. Tu vois, Lucie est venue, non? Lucie est venue. Ils ont mis Lucie entre mes mains. Depuis que Lucie est entre mes mains, ça pleure. Oh, pourquoi? Oh, pourquoi? Elle allait faire aller, c'est bien. Elle allait... Parce qu'ils savent que je pèse lourd sur Internet ici. Oui, oui. Emmanuel Keïta n'est rien. C'est un tonneau vide. C'est une femme vide. Même son front, même, c'est pas doux. Ça, je te l'ai dit en même temps. Elle n'est pas doux. Elle est aigre. De la manière que sa vie est aigre. De la manière qu'elle est aigre. Son cœur est aigre. Tout son corps est aigre. D'accord?